l'implantation du commissariat de police est intéressante pour la commune de Mont-Saint-Martin, c'est qu'elle permet aussi d'être la première pierre d'un développement plus important au niveau de cette zone, qui est l'ancien Nouchamp, qui représente 33 000 m² et qui va permettre aussi de développer autre chose, que ce soit du logement, que ce soit des équipements publics, et ça va un peu dynamiser ce centre-ville ancien qui était un peu fatigué. Je pense que la mairie a voulu regrouper tout le médical et paramédical sur le secteur des nouveaux bleuets, les anciens bleuets qui vont être rasés et nous serons installés à l'avenir, plus l'EHPAD, des logements adaptés pour les personnes âgées et les personnes handicapées à proximité. Je pense qu'ils vont vraiment dans le sens de l'amélioration de la prise en charge des pathologies. Aujourd'hui que la ville est en pleine transformation. Nous avons encore d'autres gros projets concernant notre ville. Nous avons également deux gros projets immobiliers, sans oublier l'achat de 57 hectares de terrain auprès de l'État, puisque nous pensons aussi aux générations futures. Donc incontestablement, la ville de Mont-Saint-Martin grandit, elle se transforme et elle devient très attractive. De l'emploi est créé, en situation de crise c'est très important, et c'est aussi un plus que nous apportons à l'ensemble de l'agglomération de Longueuil.